Le manche de la cama est un peu court pour cette partie où il y a beaucoup d'orties. Parce que bon, je passe là et du coup ma main, elle, elle passe là. Je vais pas m'amuser à défricher tout ça à la cama. Ça picote. La salive, c'est pas mal sur les piqûres d'ortie. Puisque apparemment, la partie urticante, c'est un peu comme des cristaux en fait, des mini-aiguilles. Et que pour les dissoudre, il faut utiliser quelque chose d'acide. Bah, la salive, ça marche. Il y a certaines plantes, personnellement, ce sont des légendes rurales. Voilà. Il y en a d'autres bien plus efficaces, mais par contre, il faut les trouver. Autre que le plantain. Par contre, le plantain, sur de petites coupures, est très très efficace et laisse des cicatrices toutes fines, toutes belles. La rhubarbe est super efficace, très acide. Mais bon, bah, elle est là-bas, tout ça. Je ne vais pas me trimballer avec un pied de rhubarbe. Bon, bah, je vais continuer à me cracher sur les doigts. Tant pis. J'ai pas essayé la... Ouais. La salive de chèvre, c'est comment? Non, je déconne. Bon, ça va, il n'y a pas 3 hectares à faire.